Yo les petits potes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, tout simplement la suite donc de Tomb Raider. Donc dans la dernière vidéo, on était tombé tout simplement d'ici, hein. On avait fait une grosse chute après l'avalanche de neige, et là ils veulent qu'on retrouve tout simplement, enfin qu'on trouve tout simplement un abri. Donc on va y aller. Je vais pas avancer, hein, bien sûr, je le fais avec vous. Logique. Je pense qu'on va tomber sur des animaux sauvages. Je sais pas s'il y en a dans le jeu, je crois que oui. Ok, donc à ramasser des ressources pour faire du feu. Ok, donc là il faut se rendre ici. Le dernier. C'est récent. Ok. Pas de quoi manger. Peut-être quelque chose d'utile. Alors voilà un campement. Oula, du coup, oui, effectivement, on a trouvé des animaux sauvages. Il y a des loups. À mon avis, on va se faire attaquer par des loups à un moment de l'histoire. Et sûrement aujourd'hui. Nos hommes passent les ruines des montagnes au peine fin. Si l'artefact est dans le coin, on le trouvera. Qu'en est-il des rescapés? Ils continuent à nous résister. Mais dans peu de temps, on aura réussi à les soumettre. Bien. Les Trinitaires croient en vous. Les Trinitaires. Il va me falloir un arc plus solide. Franchement stylé, hein. Ah oui, j'avais vu ça. Alors. D'ailleurs aussi les potes. J'espère que vous allez que vous préférez tout simplement, car j'ai augmenté les graphismes. Je ne pouvais pas laisser me suivre. Pas cette fois. Je n'ai pas ça. Je ne pourrais pas le supporter. Ok, on va se mettre comme ça. C'est ma quête. Je dois la poursuivre seule. Ok, on va se mettre comme ça. Ça charge. Hop. Hop, c'est bon. C'était long. Et ben là, c'est bon. Compétences. Ah oui, on a des compétences aussi. Castagneur, compétences de soins et de combat au corps à corps. Chasseur, compétences de chasse et de pillage. Compétences de fabricant et d'exploration.
On va se mettre là-dedans si on en a. Alors. Ok, donc là j'ai pris les attaques armées et au corps à corps des ennemis vous infligent moins de dégâts. Peut être cumulé avec la compétence incroyable. Ok. Ok, ensuite on n'a plus rien. D'accord, je comprends. Alors, l'inventaire. C'est un petit trier. Les munitions. En fait, ça sert à rien d'en créer des. Enfin, dans. Ah, si, c'est pour l'arc. Il nous faut des plumes, du bois. Ok. Intéressant. Ok. Ouais, donc là, c'est pour ce stuff, quoi. Les voyages rapides. Ok, donc là, on peut faire un voyage rapide ici. Bon, on y est déjà, mais. Ok. Mais c'est intéressant, ça. Lien du sang déroulé. On va un peu tout prendre, les pifottes. Est-ce qu'on peut le prendre? Non, mais je sais pas pourquoi il est comme ça en fait. Je ne comprends pas pourquoi il est comme ça. Quoi ça, on peut pas le grimper. Ok, bon, on peut pas. Ça, je comprends pas ce que c'est en fait. Bref, on s'en fiche. On va prendre les bois là. On peut pas casser les arbres, genre. Comment ils veulent en fait? Ok, ah, des plumes. Ok. Ok. Ça c'est pour faire quoi? Je comprends pas trop. L'utilité de ça. Ah, ok, donc c'est juste pour faire ça. Ok. C'est pas ouf. Ça nous permet d'accéder à ça, donc c'est pas assez bien, quoi. J'ai appris tout ce que je pouvais à propos du massacre dans le tombeau du prophète. Mes frères ont été tués. Tous jusqu'au dernier au cours de ces derniers jours. Les fidèles du faux prophète ont péri par centaines, mais ils ont fini par l'emporter. J'ai scellé le tombeau du mieux que j'ai pu et dit aux habitants du village le plus proche que le prophète était enfin mort. Je leur ai interdit de révéler l'existence de ce lieu sous peine de représailles. J'ignore si le prophète a survécu, mais je vais suivre leur piste. Nul n'échappe à l'ordre de la Trinité. Ok, donc un petit truc dans le tombeau. Ok, intéressant. Une fois de plus, ça nous explique bien. Donc en fait, je vais juste aller prendre ça et je pense qu'on va direct aller à la quête principale. En fait, c'est pas très intéressant non plus de. Ça. Ok, ça, la rigueur, si. Lenny, ici, mais. Le reste, vous voyez. Prend les bouts de bois, du nid, mais le reste, c'est inutile. Ça nous permet juste de monter en fait. Voilà, exact. Par contre, elle fait c'est bon, Lara. Quoi, elle s'est pas accrochée. Bref, on s'en fout. On va, hop, on prend le bois qui est là-bas. Je crois qu'il y a une tyrolienne, effectivement. Enfin, non, c'est pas une tyrolienne, mais vous m'avez compris quoi. Ok, il faut monter là. Hop, attendez.
Ah ok, c'est comme ça. Ok, bah c'est bien ça. Ok, on a un petit nid. Ces ruines. Elles sont d'origine mongole. Là, j'ai peur de me casser la gueule en fait. Je vous mens pas les gars, j'ai vraiment peur de me casser la gueule. Ok, il faut aller là. Donc, il n'y a rien d'autre à prendre. C'est bon. Ok, on n'a rien d'autre à prendre. On va aller là. Les Trinitaires, ils sont déjà là. Il se passe quoi? Il s'est fait bouffer par un ours. Ok les gars, donc le mec vient vraiment de se faire bouffer par un ours. Ok, il n'y a rien ici. Il faut fuir. Quoi? Mais les gars, mais j'ai fait au plus vite, hein. J'ai vraiment fait au plus vite là. J'ai speed, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ok, donc les gars, il y avait rien marqué. Ah ok, appuie sur... Ok, ok. Ok. Ok, ok les gars. Ça va, j'ai compris. Peut-être qu'il fallait bien suivre les instructions. Ok. Je sais pas si on a tué l'ours ou s'il est encore en vie. Faut que je prenne cette blessure. Ces feuilles devraient arrêter le saignement. Il faut de quoi faire un bandage. Ok, là-bas. C'est beau. Hein. Les installations datant de la guerre froide. Qu'est-ce que les Trinitaires mijotent là-dedans? Ça fera la fin. Ok. Maintenir L1 pour soigner. Ok, on s'est soigné. C'est toi le but, hein.
Non, pas. Putain. Il est où? Ces champignons, ce sont des amanites tumouches. Parfait pour faire du poison. Ok, donc on va le tuer en faisant du poison. Y'a rien ici. Ok, on grimpe. Ok, donc c'est pas elle qui peut le décrypter. Souffre pas, bébête. Petite biche. On chasse, nous, on est des vrais chasseurs. Non, mais les gars, je mets tout à côté. M'en fous. Je continue pas la quête tant que je l'ai pas tué. Et en fait, il meurt jamais, je crois. Voilà. Est-ce qu'on récupère les flèches? Non, on récupère pas les flèches. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu ce qu'il y avait là, mais... juste prendre ça. Bref. Ah, je suis con. Je vais me dire ça, mais je venais de trouver un truc. Je suis rentré dans la grotte. Non, il faut pas y aller, il faut retourner là-bas. Il y avait un truc par terre là. Le campement, ok, là-bas. Ça nous fait marcher hein, dans cet épisode. Ok, attendez, je vais juste récupérer ça. Ça nous sera toujours utile de toute façon. Hein. Flèche empoisonnée. Fabriquer des flèches empoisonnées. Normalement, c'est bon. Ok, bah oui, c'est bon. Faut que je me repose. Je suis gelée. Épuisée. Ok. Excusez-moi le bruit, je sais pas ce que c'était. Je crois que ça venait du jeu. Cours.
Descendez-la. Au rapport. Où est-ce que vous en êtes? À vous. On a trouvé un autre campement ici. Le feu est encore chaud. Ok. Ok. Ok, donc un petit coup de grâce. Ok, c'est bon, il est mort. On se déploie pour retrouver la piste. Ok, donc là, on va devoir rester discret. Je ne connais toujours pas la touche pour m'accroupir. Ça, c'est très chiant. Ok, ça va, il me semble que j'étais assez furtif. Ok, on peut pas. Hop. Ok, je suis en train de les laver. GG. Quoi, mais la sensibilité dans ce jeu qui est vraiment. On se prépare. Le premier vol dans la Sibérie afin de sécuriser l'ancien complexe soviétique. De nouveaux arrivants font constamment leur apparition. Pendant le discours que Constantin a fait pour les nouvelles recrues, je suis resté en retrait pour observer. J'adore l'entendre parler, je m'en lasse pas. La foi n'a jamais été mon fort, mais uniquement parce que les mots n'avaient aucune prise sur moi. Là, ça n'a plus rien à voir. Il révèle la vérité. J'étais un homme brisé, mais la Trinité nous a rendu ce qui nous manquait, une raison d'être. Un monde nouveau nous attend. Même les non-croyants auront leur rôle à jouer. Ok. Ok, ok. Là, on ne peut pas passer. C'est donc par je ne sais où qu'on doit passer. Je sais même pas si on peut s'accroupir dans ce jeu. Ok, bon, on va devoir faire gaffe aux pièges. En plus. Okay, petit truc. Des années durant, j'ai chevauché parmi une armée mongole en tant qu'émissaire de l'ordre de la Trinité. Malgré ses manières barbares, leur Khan est un grand seigneur de guerre. Je les ai aidés à renverser des nations, brûler des cités et assassiner des princes. Tout cela à seule fin de trouver le prophète. Le massacre des Rus n'a pas été vain. Parmi le butin, nous avons enfin trouvé une carte. Et voilà que ce matin même, après une saison entière passée en montagne, nous voyons des constructions émerger d'une vallée verdoyante, cernée par la glace. Nous avons trouvé Kitej. J'ai promis au Khan que toutes les richesses seraient pour lui, et cela suffit à le motiver. Mais la véritable victoire sera pour Dieu, quand nous aurons purgé la terre des mensonges du prophète. Enfin, la source divine nous appartiendra.
Ok, donc la source divine, ça peut être un truc très important parce qu'ils en parlent tous à chaque fois, les méchants, on va dire. Donc ça doit être important. Enfin, pour eux. Ok. Ok. Ah, mais on était censé arriver d'en haut, en fait. Ok. Ah bah tant mieux, parce que ça, on l'a pas fait. Ah ok, c'était pour faire péter. Ok, ok, je comprends. Hop, là, il faut monter là. Il y a l'ours. Il est encore là, lui. Un peu serré pour se battre. Mieux vaut la tirer dehors. Hop. Ça devrait ralentir un peu. Hop. Ok, donc j'ai pas compris. Ah ok, j'ai cru qu'on était mort. Ok, j'ai cru qu'on était mort. Ok, donc il m'a clairement bouffé. Ce chacal. Pourquoi il lui a planté dans la patte pour le dépeceler? Meurs. Il m'a fait utiliser toutes mes flèches. Ah, ok, c'est bon. Le jeu avait pris en compte qu'on aurait niqué toutes nos flèches. Je vais juste aller. Ok, je vais juste aller dans la grotte. On va se quitter là, hein, les gars. Ça fait déjà 20-25 minutes. Hein. Ok, j'ai bien fait de revenir. Voyage à la faveur de la nuit, suivant un tracé tortueux qui longe la frontière de l'Empire byzantin. J'ignore où ils vont, mais je les soupçonne de ne pas le savoir non plus. Ils savent que nous les poursuivrons jusqu'à ce que cette hérésie prenne fin. Les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger, et curieusement, tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent. J'ai beau les menacer de la colère des Trinitaires, ou leur mettre le couteau sous la gorge, ils gardent le silence. Ils meurent sans jamais le trahir. Le prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens. Raison de plus pour l'éliminer. Ok. On va ouvrir ça. Ok. Ok, ok. On va tout fouiller tranquille. Y'a rien d'autre? C'est bon. Ok, bah la quête principale continue ici, les gars. Donc, on va tout simplement, les petits potes, s'arrêter là, tout simplement, pour cet épisode. J'espère que vous l'avez kiffé. Donc, dans cet épisode, on aura fait plein de trucs de ouf. Donc, je perds pas plus de temps. Allez, les petits potes, à plus, bande de BG.